différentes familles, par différents peuples, parlés par différents peuples. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo précédente. Salut, vous l'avez peut-être remarqué dans ma vidéo précédente, il y avait cette drôle de chose devant moi. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a très peu d'informations à son sujet, c'est pourquoi j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. En Guyane, on va l'appeler le pois sucré, le pois doux dans les Antilles, ou encore pacaille ou sucrin en Haïti. Ce fruit, il nous est donné par une plante, style arbre, arbuste, appelée Inga. Plus de 400 espèces existent. Alors, Inga nous proviendrait de la langue des Tupis, qui constitue une famille de langues amérindiennes d'environ 70 langages, parlées par différentes populations natives de l'Amérique du Sud. Le pois sucré, pois doux, est loin de nous courir sur le haricot, car il s'agit en réalité d'une gousse. Celle-ci mesure plus de 70 cm, nous allons l'ouvrir, voir un peu comment c'est fait à l'intérieur, et bien sûr, la goûter. On a une chair blanche cotonneuse autour de grands noyaux. C'est sucré. Vraiment l'impression d'avoir du coton en bouche. Un mélange entre le litchi et autre chose. Ça vaut le détour. Je me suis régalé. A plus pour un nouveau fruit ou un nouveau légume, qui sait. On verra bien. Ciao.